سوزِ فرقت سے دل جب پریشان ہوا لب لا تقنطوں کا پیام آ گیا لب لا تقنطوں کا پیام آ گیا مصطفیٰ اللہم صلی علی Abhinandan Karan Chhe. Debhai, 2010 thin, apri mehfil ni andar ma, tan, man ane dan thin, mehnat kariyo chhe. Jekli badi apri mehfil ni kriyao chhe, apra program chhe, apra interview chhe, je hoy, e hazir ane nazir chhe, ane te film parvama, photo film parvama badale, hazir chhe. Teche apra Sarali Bhai Khoja TV ena ena amma bole mama sir to sabhi paise gine ki je ke je ne je paise kau ka application aussi te kau ne tene sa de kana ki to kau ka site ma jai to apre a quiz ne shuru kari sake je majad sarvar Muhammad wale khamna Et du coup, il fallait reprendre le travail tout de suite, on ne pouvait pas attendre la fin du mandat. Donc, Ahmad Bizaz, Mohamed Bizazay a repris directement le mandat de Mahmoud Moïse Baye. Et ensuite, il a fait ses mandats à lui, donc en tout, de 1999 à 2010. Donc, en première position, Zeynep Moutabaye. En deuxième position, Shaïsta. En troisième position, Maïsom, qui a perdu la première place. Quatrième position, Maïra. Et cinquième position, une nouvelle venue, Zahra Basra. On y va pour la question suivante. En quelle année Cheikh Moïse Reza a débuté en tant que résident à Lille au sein de Mehfil-e Zeyna? En 1997, en 1999, en 1996 ou en 1998? Que résident à Nîmes. Donc je vois 23 bonnes réponses, ce qui est pas mal. Donc voyons voir le classement. Ah, le classement a été complètement chamboulé. Première place, Shaïsta. Deuxième place, Maïra. Troisième place, Mahmoud. Quatrième place, Zahra Basma. Et cinquième place, on a, Soudjad, on a le président Soudjad qui revient dans le classement. On y va pour la question suivante. Comment dit-on 100 millions 120 000 en Gujarati? 100 crore, 1 lakh, 1 hajar, 10 crore, 1 lakh, 1 hajar, 1 crore, 1 lakh, 1 hajar, 10 crore, 10 lakh, 1 hajar. Alors la bonne réponse c'est 10 crore, 1 lakh, 1 hajar. Et non, beaucoup sont tombés dans le piège. Alors juste pour information, le petit piège ici, c'est que 1 crore, c'est pas 1 million, mais c'est 10 millions. Donc pour dire 100 millions, c'est 10 crore. Et Black, c'est 100 000, et Ekadjar, c'est 1000. Voyons voir maintenant le placement, je pense qu'il va être complètement chamboulé. Donc en première position, Mahmoud, en deuxième position, Maïra, troisième position, Issam Chalifous, ensuite on a Shaïsta en quatrième position et Emma en cinquième position, des nouvelles personnes qui apparaissent. Et on a Jim Chan qui vient faire trois bonnes réponses, peut-être qu'il apparaîtra au classement sur la prochaine question. On y va pour la question suivante, on arrive à la moitié de cette question. À quelle date a été inaugurée Sani Zahra Madressa? Août 1994, juin 1986, février 1992 et septembre 1994. La réponse a été dite durant la présentation. Voyons voir les bonnes réponses. On a 20 bonnes réponses, la moitié des bonnes réponses. Février
92, comme il a été dit dans la présentation, nous pourrions voir le classement. Alors, Mamo, vous êtes toujours en première position. Maëla qui reste en deuxième position malgré 5 bonnes réponses d'affilée. Shaïsta en troisième position. Emma en quatrième position. Et Zahra Bosram qui revient en cinquième position. On a fait 7 questions, on est à peu près à la moitié, donc rien n'est joué encore. Il reste encore quelques questions pour changer tout ça. On y va pour la question suivante. Que signifie AAFM ? Association administrative des Français malgaches, activité amicale des Français de Madagascar, association amicale des Français de Madagascar, activité associative des francophones de Madagascar. Alors là, c'est la première personne à qui on a injecté l'insuline, le premier patient. Thomas Edison, on le voit souvent, c'est celui qui a inventé l'ampoule. Et du coup, Frédéric Banting, c'est celui qui a été le premier à rechercher l'insuline avec un collègue, Charles Best. Voyons voir le classement. Alors là, le classement a été chamboulé. En première position, Eman. En deuxième position, notre président Suzanne qui monte en force. Troisième position, Marouzet. Quatrième position, Maïla. Et cinquième position, Zahra Basma. Le classement reste à peu près stable. J'espère vraiment que ça va changer. Dans les questions suivantes, il va y avoir des nouvelles personnes dans le classement. On y va pour la question suivante. À quelle date a été proclamée l'indépendance de Madagascar? 26 juin 1960. 15 août 1947, 5 juillet 1962, 14 juillet 1789. Et il faut connaître un petit peu l'histoire. Bonne réponse, c'est 26 juin 1960, 37 bonnes réponses, donc bravo, je vois que tout le monde connaissait la bonne réponse. Petite info culturelle sur les différentes bonnes réponses. Le 15 août 1947, c'est la date de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan en même temps. Le 5 juillet 1962, c'est la date d'indépendance de l'Algérie. Et le 14 juillet 1789, je pense que vous savez tous, c'est la prise de la Bastille. Voyons voir le classement, là c'est une question de rapidité. En deuxième position, Eman. En troisième position, Mamo, quatrième, Maria, cinquième, Zahra Bosram. Ça bouge pas trop là. Je pense que ça va être très serré pour les prochaines questions directes. Pas de question pour départager tout ça. On y va pour la question suivante. En Gujarati, lequel de ces mots n'est pas un fruit? Bol, Gadja, Panas ou Darak? Combien de temps a régné la reine Elisabeth II? 72 ans, 68 ans, 70 ans ou 75 ans? Je vois que c'est une question très partagée. Alors, juste une petite information pour l'histoire, pour savoir pour vous. Malgré ses 70 ans, la reine Elisabeth II n'a pas pris le plus long règne. Le plus long règne, c'est Louis XIV, qu'on appelle le roi Louis Soleil, qu'on appelle le roi Soleil, qui a fait un règne de 72 ans. Donc la reine Elisabeth II n'a pas encore le plus long règne de l'histoire. Voyons voir le classement, est-ce que ça apprendrait quelque chose? Alors là, notre président Sujad Bhai est au taquet avec 7 bonnes réponses. Il est au courant de l'histoire de Gujarati, de l'histoire de Mehdi les Énoms. Il enchaîne. En deuxième position, Mamo. En troisième position, Eman. Quatrième, Maïla. Et cinquième, Mila. Alors il ne reste que 2 questions. Donc soyez bien attentifs. C'est les 2 dernières questions pour changer quelque chose. On y va pour l'avant-dernière question. Lequel de ces mots n'est pas un métier? Kasai, Moji, Hajam ou Nadoyo? Touché.
cordonnier. Hadjam, c'est le coiffeur. Et le quatrième, Nantoyo, c'est le mari de la Naran, Naran no Dani. Donc, voyons voir le placement, si ça a changé quelque chose. Notre président, toujours en pole position, hein, qui s'ébat petit à petit. Deuxième position, Mamo. Troisième position, Eman. Quatrième position, Maïra. Et cinquième position, Milan. Donc, c'est parti pour la dernière question. Mohandas Gandhi était surnommé Mahatma. Que signifie ce surnom? L'éveillé, grand âme, indépendant ou sage dans ses paroles? La bonne réponse, c'était grand âme. Je vois que beaucoup de gens ont mis sage dans ses paroles. Alors oui, bien sûr, Mahatma Gandhi était sage dans ses paroles. Pour ceux qui connaissent un petit peu le hindi urdu, dans Mahatma, vous avez le mot Atma. Et Atma en hindi signifie âme, roux. Et donc Mahan, c'est grand âme. Donc vous pouvez trouver la signification comme ça. Donc voilà, on arrive à la fin de ce questionnaire Kahoot. Donc je vous remercie à tous que vous avez donné à Bagnidam après leur tardive et le long programme. On vous libère enfin pour ce programme. Avant de voir le gagnant, je fais un petit peu de suspense, je ne donne pas le gagnant tout de suite, sinon c'est pour moi. Je vais même laisser d'ailleurs Nassi Weiss, qui a présenté tout ce programme, présenter le gagnant de ce quiz. Salut à Mohamed, voir une femme. En première position, Maréla. Deuxième position et le numéro 1 gagnant, première place. Donc là, nous avons les différentes personnalités qui ont contribué au début de l'histoire de Khoja Shiaish Nashri. Donc là, vous avez Ayatollah Zainul Abidin Mazandarani, en prenant connaissance des croyances particulières des Khoja Ayatollah Mazandarani, envoie Mullah Qadir Hussein à Mumbai pour guider les Khoja vers le Jafari Mazhab. Ensuite, Mullah Qadir Hussein, 1842 jusqu'à 1902. Mullah Qadir Hussein a rendu de nombreux services à la communauté naissante des Khoja de 1873 à 1901. Il décède en 1902. Cette propriété a été léguée en tant que waqf en 1893 par Khoja Ibrahim Hassambai et est connue comme la madrasa de Mullah Qadir. Ensuite, à côté, nous avons Marhum Haji Deuji Jamal.
En 1872, Deoji Jamal et d'autres Zawar, lors d'une visite à Karbala, rencontrent Marhum Mulla Qadir Hussain, un étudiant de l'Aïtullah Zainul Abidin Mazandarani, pour l'emmener à Mumbai et prêcher la religion au Khoja. Voilà, donc il y a différentes personnalités qui sont là. Donc là, nous avons Marhum Haji Naji. Le service rendu de Tabligh par Haji Naji avait lieu à un moment des plus critiques de l'histoire de la communauté Khoja Shia Ishnasri. Lama Haji Naji Ghulam Ali, 1864-1943. Ensuite, nous avons une grande personnalité, Marhum Mulla Asghar, M.M. Jafar, leader, visionnaire, écrivain prolifique, orateur exceptionnel et érudit de renommée mondiale. Mulla a été le président fondateur de la World Federation des Khoja Shia Ishnasri. Ensuite, nous allons terminer par la communauté Khoja Shia Ishnasri en quelques chiffres. Population mondiale, nous sommes 7,9 milliards. Il y a 1,3 milliard de musulmans. Il y a 210 millions de chiites. Et là-dedans, il y a à peu près 190 000 à 200 000 Khoja Shia Ishnasri. Donc, qui sont répartis au Pakistan 70 000, India 30 000, en Afrique 25 000, en Europe 10 000, Canada, USA 10 000. Et le reste du monde, 5 000. Total des Khoja Shia Ishnasri dans le monde, 190 000. Voilà, c'est l'histoire Khoja Heritage 2022 ici à Mehfil-e-Zainab. Donc, Inch'Allah, nous allons penser à tous ces personnalités qui ont contribué au début du chiisme chez les Khoja. Nous allons les penser dans nos différentes prières, namaz et sob, et un surah Fatiha pour tous ces marhumin, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.